Bonsoir à tous, c'est Blixo, on se retrouve aujourd'hui sur Rimworld. Mon choix est fait. Je sais, j'ai pas vu vos commentaires, rien. On est vraiment encore à la suite. D'habitude, je l'ai fait deux par deux. Et aujourd'hui, ce sera trois. Et surtout, c'est l'épisode 10. Et la dizaine. Il est temps. Il est temps qu'on parte à l'assaut, qu'on aille libérer notre inconnu. C'est totalement un inconnu. Ok, pommes de terre, riz, je pense pas que ce soit important de les prendre, mais je vais en prendre un petit peu. Allez, je prends un peu de patates, juste pour être sûr. Niveau poids, on est très large. Y a pas de souci, on a un œil bionique. Choisir le trajet. 1,1 jour. Je pense très clairement qu'on a largement de quoi le faire. Et c'est pourquoi j'ai confiance, c'est que nous partons en croisade. Je sais, j'ai pas encore vu tous vos commentaires, donc vous en faites pas si je corrige pas tout de suite les erreurs que j'ai faites. Ce sera réglé très vite, pas de soucis. Ne paniquez pas. J'espère surtout qu'il va pas y avoir un raid pendant qu'on va être parti, parce que s'il y a un raid, très clairement, Stéphanie et Demonius ne peuvent pas défendre la base. Maintenant que j'y pense, je l'ai dit, je vais me faire ouvrir, je l'ai dit. J'aurais jamais dû le dire. Il se déplace très vite, ça me rassure pas mal, parce que plus ça se fait vite, mieux c'est. On passe plusieurs jours sans raid, donc je me dis, on va peut-être, ils vont peut-être nous... Ce truc ne veut toujours pas être obéi. Enfin, ne veut toujours pas obéir. Waouh. Je crois qu'on n'en obtiendra rien. Les plantations continuent d'être maintenues et autres, mais ça me fait un peu peur quand même que tout ça se fasse pas comme... Tu fais... Oh. Je ne savais pas que tu avais le droit de le faire. Mais ok. C'est cool. Tant que tu me gaspilles pas des ressources, c'est cool. Je valide. Ils sont presque arrivés. Oh. Ça va, c'est en extérieur. Par contre, c'est bien, ça ne détruit plus le câble. C'est un truc qui me dérangeait beaucoup avant. Ils font une petite pause. Eux, ils me détestent. Ok. Et eux, ils m'aiment bien. Au retour, ça va me prendre combien de temps? 1,4 jours. Donc moins parce que le temps de déplacement est pas comme prévu. Enfin, est pas... la prévision est pas top. Visiblement, on se déplace un petit peu plus vite. Sauf quand on a déplacé ou qu'on est malade. Là, on se déplace un peu moins vite. En détail. Oh! De moins 28 à moins 38. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'ils vont probablement nous pourrir. Ils vont probablement vouloir nous pourrir. Une planque. Carburéacteur infini. Les mecs, vous y allez sur le retour. J'en ai rien à foutre, vous y allez sur le retour. Il se peut que ce soit dangereux. Alors, rendre dangereux à quel point? Je veux dire, c'est un truc qui génère du chemfuel à l'infini. Ok. Mais dangereux à quel point? Je pense que je le mettrai ici. Je vais déplacer toute ma production d'énergie dans cette zone-là. Sauf ce truc-là. Ils sont arrivés. Ok. Il y a une tourelle qui était pas prévue, les gars.
Il y a une tourelle qui était pas prévue. C'est pas fair game ça. Oh yes, on peut toucher la tourelle ici. Parfait. Ok, les gars, mettez-vous ici. Waouh, il est super bien armé, c'est quoi ce truc? Mitrailleuse lourde. Yes, on l'a eu. Il s'enfuit. Ok, est-ce que je peux la claim? Je dirais que non. Ça par contre c'est juste génial. Qui est le meilleur tireur? 5, 4, 11, 14. C'est fini, tu vas aller... Une fois que tu auras détruit la tourelle... Tu peux le faire, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Libérer le prisonnier. Ne fais rien. Rien de ceci n'est ta maison. Rien de ceci n'est ta maison, ne l'oublie pas. Non, tu restes là. Yes, on a un petit peu de pâte nutritive, pas beaucoup, mais on en a un petit peu. Yes, cette tourelle a été détruite. C'est fait que tu peux prendre, t'équiper de la mitrailleuse. Quoique, non. Oum, tu as... T'es pas mauvais, mais pas bon partout quand même. Hein. 4, 14, 5, 11. 5. Une. Prends le revolver. Oh! Je vais revendiquer tout. Et voir ce que je peux désinstaller. Ça, je peux pas le désinstaller. Ça, je peux désinstaller. Ça, je peux récupérer. Ok, on va démolir ça. Ces murs-là. Ça. Ça. Les câbles électriques. Les lits, je pense pas que ce soit une utile. Énergie, câble électrique. C'est pas grave si on les récupère pas tous. Hein. Il y a un autre lampadaire ici. Désinstallé. Je crois qu'on a pris tout ce qu'il nous fallait. Personne secouru. Caravane arrivée comme prisonnier, parfait. Vêtements en lambeaux, ça, on va régler ça. Mais maintenant, je veux reformer la caravane. Prendre tout. Tout ce qui est nourriture. Les baies aussi, composants surtout, acier aussi, sac de couchage visiblement il paraît que c'est important, lampadaire aussi, débris je m'en fiche un petit peu, pantalon renforcé si je peux le prendre je le prends,
Les lits en bois, je m'en fous un peu. Les extincteurs à mousse, ça peut être intéressant. Et l'argent, c'est intéressant. Non, on devra probablement jeter des choses arriver au prochain stop. Un jour, c'est clair, net, un jour. On y va. J'ai peut-être oublié quelque chose. C'est fille qui a mangé de la viande crue et à chaud. Et vient de voir un cadavre. Et a mangé son tableau. Et est inconfortable. Détail. Tout ceci est un détail. Visiblement, ce serait une bonne idée de faire des sacs de couchage. Qui l'eût cru? Non. Non plus. Ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Non plus. Ça doit être quelque part. Ça doit être quelque part. Je sais pas où, mais ça doit être quelque part. Ils mettent précisément un jour à y aller. Mais si on peut avoir un carburecteur infini, mais on a une menace inconnue. Ce qui veut dire que ça peut être tout. Littéralement tout. On peut arriver devant une masse de mécan, oui. C'est un risque. Et c'est un risque que je suis prêt à prendre parce que je n'ai jamais, jamais vu de carburecteur. Et je veux voir ce que c'est. Je pense pas que ce soit un mod. Très franchement, je pense que c'est dans le jeu de base. T'as toujours pas réussi à construire cette porte. C'est un peu triste quand même. C'est un peu triste. J'avoue, c'est même très triste. Mais bon. Ils arrivent sur la route, ça y est. Ils vont pouvoir commencer à se déplacer beaucoup plus vite. Et ils arrivent à destination dans 0,3 jours. Je parie que ça va chuter quand ils vont quitter la route. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors, il y a de grandes chances que le risque soit extrêmement grand et que je décide qu'on quitte la zone. J'espère que c'est possible. J'espère vraiment que c'est possible parce que je veux pas me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 morts sur les bras. Je veux pas me retrouver avec 5 cadavres sur les bras. Si c'est possible d'éviter, ça m'arrangerait. Ok, ils arrivent tout de suite. Et ils ont encore 3,9 jours de nourriture. Donc pour ça, je m'inquiète pas. Je veux voir. Et ça pue. Ça pue. Menace inconnue à ce point-là. Ça pue. Wow, oh, les gars, calmez-vous. Non. Tirez sur la porte. Aucune menace. J'ai une chance. Carburéacteur infini. Boum. Et on peut même le récupérer. J'ai une chance pas possible. Très franchement, j'ai une chance pas possible. J'ai une chance pas possible. On l'a ? On a le carburéacteur infini ? Bon, le fait que notre caravane est... Voilà, je m'en doutais un petit peu. Ok, c'est tous des corps à corps. Wow, oh, c'est chaud. Ils sont que légèrement armés. Tous mes gars sont légèrement armés, c'est un problème.
Wow, le... il a pris combien de balles, lui? C'est bon, on en a eu un. Sinon, vous pouvez m'aider, les chiens. C'est bon, il fuit. Quelles sont les blessures? Détaillade. Rien de grave. Enfin, si, c'est un peu grave quand même, mais ça va. Ça aurait pu être bien pire. Oh, l'épisode du stress! Ça fait deux épisodes où on a vraiment des gros trucs. Me dites pas que j'ai pas de médecin. Si, Stéphanie, t'es médecin. Va te soigner. Voilà, parfait. On va essayer d'éviter les infections. Je sais, pour ça, il me faudrait la recherche matériaux stériles qui... Ah, oh. Oh, je l'ai. Oups. Alors. Carrelage antibactérien qui se fait à partir d'acier et d'argent. Construction 8 requises. G. Qu'est-ce que dit... C'est bon, juste des contusions. On est bien. Des simples contusions. Ça aurait pu être ça aurait pu être dramatique. S'ils avaient eu autre chose que des couteaux, ça aurait pu être un vrai problème. Peste. Talio a été touché par la peste. Stéphanie, soigne-le. Infection. Ok, Dominus, c'est plus important que tu le soignes. Mais je veux que tu soignes aussi ce chien. Jenny, victime d'une intoxication alimentaire. Mauvais cuisinier. Attendez, hé. Attendez. Mauvais cuisinier, c'est Démonius. Monius qui n'est pas mauvais en cuisine. 7. C'est pas mauvais. Mais Démonius va bientôt pouvoir faire des... Oh, ça c'est une bonne nouvelle par contre. À bientôt. Eh, ça va venir. Vendeur de produits exotiques, ça peut être intéressant. Stéphanie, je crois que c'est pour toi. Parfait. Ils vendent des chinchillas. Ok. De 3000 composants. Alors, composants, je suis clairement tenté d'en acheter parce que c'est super important. Médicaments, c'est mais. Potassium iode. Oh! Ça peut être intéressant de... Oui, oui, oui. Une par personne, s'il vous plaît. Non, c'est beaucoup trop cher. Pied bionique avancé, ça peut être vraiment... Je te hais. Je te hais, objet de mort. Alors, si vous ne savez pas pourquoi je déteste à ce point-là cet objet, c'est que vous n'avez pas vu une des autres séries Reworld. Vous comprendrez. Si vous allez la voir un jour, vous comprendrez. Je hais ce truc. Oh, c'est moi où il manque la tête, là? Ah oui, ah oui. Buffalo enragé. Sérieusement. Ils veulent vraiment en finir. Ok, reculez les gars. On est un petit peu plus rapide que lui, donc ça devrait pas poser de problème.
Surtout qu'on l'a blessé, donc... On peut le kiter, on est plus rapide. Parfait. Les chiens, ils peuvent se... Ils peuvent juste déplacer les cadavres, s'il vous plaît. Ce serait cool. Ils sont de retour. Vous imaginez pas à quel point je suis soulagé qu'ils soient de retour. Ils sont de retour, ça y est. Je veux mon peste légère, limité à 42%, peste à 25, c'est bon, on est large. Demonius, infection légère. Immunité 42, infection 19, c'est bon, on est large. On est très large, il n'y a pas de souci. Et toi, tu t'en remets très bien. Tout le monde est de retour. Bon, Jenny n'est pas au top, du top, hein. Éprouve une douleur aiguë. Intoxication alimentaire. Oups. Oups. Grosse faim. Par contre, tu peux manger. Rien ne t'empêche de manger. Oh, elle est super lente. Trempé jusqu'aux os, inconfortable, environnement déplaisant. Nourriture, ce serait vraiment bien que tu manges par contre. Est-ce que je peux lui forcer à prendre des objets? T'en as. Demonius, tu la salves, tu es potentiellement la salvation de Jenny, donc. Lâche ce plat simple. Je me fiche que ce soit réservé par Demonius. Jenny, mange. Et elle a craqué. Elle a craqué. Quelqu'un peut essayer d'aller la raisonner? S'il vous plaît. C'est moi ou il te manque une chambre? C'est un détail, mais... Ah, le fait d'avoir une porte pourrait être intéressant. Juste une idée. J'ai un peu peur que Jenny se laisse mourir de faim. Hein. Je pense qu'elle va revenir parmi nous. Dans pas très longtemps. Un jour. Sinon elle va tomber, on va la soigner. Diable d'eau terminé. Putain, ça a pris longtemps. Ah oui, non, ça a pris longtemps parce que je l'ai envoyé en... Tout va bien. Juste moi. Ah, désolé ce mec, il y avait un arbre. Je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire avant. Récolter ce truc au passage, ça pourrait pas faire de mal. D'ailleurs, nous, il va falloir que je m'occupe de toi. Alors, dressage, non. Juste non. Chasseur, non plus. Bon, constructeur, non plus. Mineur, tu me mets? Non, non plus. Ça, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça aussi, tu peux. Bah, sinon... En fait, ouais, c'est pas mal. Ouais, t'es pas, voilà, t'es bien là. T'es bien.
Oh. Oh. Ça y est, ils ont compris. Ils ont compris qu'il fallait envoyer un peu plus. Dites-moi juste que... Non, Jenny a juste un fusil à pompe. Fix, c'est toi qui as la... Ok, on se casse toi, c'est Fix. Ils ont une portée un peu abusive. Non, ils attaquent pas. D'ailleurs, ce que je me dis, c'est que du coup, il y a peut-être moyen que... Juste une idée comme ça, hein. Et juste une petite idée comme ça. Si Sobek se bouge bien, il peut le faire. Ah, oh, Jenny, t'es de retour. Parfait. Je vais juste pas te sélectionner. Jenny s'est effondré, c'est pas grave. Bon, ils attaquent. Non, tout sauf toi en fait. Wow, wow. Attaquez-le lui. Lâchez-vous les gars. Faut qu'ils comprennent. C'est pas mal. Ouh. Oh, oh c'était tellement violent. C'est Fick, t'as été touché. Un coup d'arc court, c'est pas très grave. Et Démonus a été touché, mais rien de grave non plus. Donc tout se passe très bien. Mais ça nous a montré à quel point on était vulnérable. Et ça, pour être vulnérable, on l'est. On l'est vraiment beaucoup. Il faut que j'envoie de l'énergie à l'autre bout de la map, ici. Je pense que ça suffira. Ah, une... Alors, risque de démence majeure. On va essayer de corriger ce problème. Mange. Et va dormir. Remange, c'est une bonne idée aussi. Amuse-toi un peu. Parfait. Sefik, tu as été soigné. Quels sont tes besoins? Souffre au moyen, c'est un problème. Environnement des... Bon, ça, je peux pas vraiment aider. Hôpital horrible, ça, ok, d'accord. Mais avec du champ, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bon, ok, probablement la taille. C'est probablement la taille, le problème. Parfait, on a enfin cette tourelle. Steph, tu peux prioriser ça, s'il te plaît. Ils peuvent pas construire. Capsule de cargo. Et encore un peu d'uranium, parfait. J'avais pas demandé de détruire ce truc. Gwen est totalement guéri, parfait. Qu'est-ce que disent nos animaux, d'ailleurs? Totalement guéri, parfait. C'est bon, Jenny est en train de faire la chambre. Problème. Je construis 10 milliards de trucs. Et du coup, ils n'arrivent pas à construire ce qu'il faut. D'ailleurs, où est-ce que tu dors au final? Oh!
Ah non, j'ai cru qu'il y avait plus d'énergie. J'ai cru qu'il y avait plus d'énergie. Mais tout va bien. Transporte. Tu vas aussi pouvoir aller foutre le feu. Juste ici. Tu vas voir, c'est marrant. C'était pas ici que je voulais que tu lances. Je m'en doutais que ça allait arriver à un moment. Quelqu'un peut aller l'aider? Ok, c'était une erreur, c'était très débile de faire ce que j'ai fait. Mais quand même. Bon, ok, c'est... J'avoue, c'est débile, mais ça me fait rire. Donc c'est valide. On a plus assez de... De tout ça. De roche. Tout ça est en train de bien se poser. Sobek, si tu peux construire ça dès que tu te lèveras, ce sera top. Vous pouvez y retourner, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète un petit peu sur un truc. C'est que les attaques commencent à devenir un petit peu plus puissantes. On vient de le voir, les attaques commencent à monter un petit peu en puissance. Est-ce que... On va pas arriver à un moment où il va vraiment falloir qu'on se défende plus fort que ce que je fais là. Je pense qu'on va vraiment, arriver dans une zone où ça va devenir important de se défendre là. Je veux juste faire un couloir de façon à ce que ce sera pas beau. Ce sera pas beau, mais au moins ça les force à se mettre ici, ils peuvent pas se mettre sur les côtés ou autre. C'est absolument pas un goulot d'étranglement. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ils vont totalement essayer de faire sauter. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. Ils vont essayer de le faire exploser un moment. Mais s'ils ont pas d'armes explosives... Ça va être moche, mais fonctionnel. Parfait. Mimis, le bâtiment est terminé. Le bâtiment est terminé, ce qui veut dire qu'on peut commencer à construire dedans. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Que j'ai pas assez d'argent pour le faire. Mauvais cuisinier, ça c'est une mauvaise nouvelle. Alors, j'ai ce truc que je veux absolument installer quelque part. Qui demande de l'énergie. Je pense que le mettre ici, c'est pas une mauvaise idée en soi. Sobek, est-ce que tu peux juste le faire vite? Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Et installer un extincteur à mousse ici me paraît être une bonne idée. Ok, recherche terminée là-dessus. Basic Climate Control, ça pourrait être une bonne idée. Et ensuite, j'aurai l'industriel qui sera... une encore meilleure idée. Sac de couchage, ça c'est pas intéressant. Par contre, le lampadaire, je sais tout de suite où je vais le mettre. Parce que ce câble va ici.
Risque de démence majeure. Stéphanie, qu'est-ce qui t'arrive? Éprouve une douleur aiguë. Oui. Oui, ça... Non, ok. Grosse faim. Tu peux manger là, c'est pas grave, tu peux. C'est pas top. Le réacteur est en cours de construction. Ce que je veux absolument, c'est... Est-ce qu'on peut l'arrêter? Je veux pouvoir l'arrêter, c'est un besoin. C'est un besoin. Pas de chemin d'accès. Merde. J'aurais dû m'en douter que ça allait arriver, ça. C'était obligé qu'à un moment, il allait y avoir un truc comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, tout est placé, ce truc est placé. Prochain chem fuel, ok, 75 chem fuel tous les 10 jours. C'est pas pété. Pour 300 watts, c'est pas pété. C'est pas pété du tout. C'est même pas rentable, en fait. Je crois qu'on peut pas produire 300 watts pendant 10 jours avec un générateur à chemfuel. Ça reste à voir, mais je crois qu'on peut pas mettre... Je crois que c'est pas rentable. Je vais aller voir sur le wiki. Je vais aller voir sur le wiki après. Faudrait que j'aille voir. Mais le réacteur est en cours! Nous avons un réacteur en cours de construction. Et ça c'est badass. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Aimez la vidéo, vous abonner à la chaîne. Mais sur ce, à dans la prochaine vidéo !